Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Poursuivons notre étude sur les noms de Dieu, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute maladie. Je voudrais saluer tous ceux qui sont fidèles à l'émission OSB et je voudrais vous encourager de continuer à prier avec OSB. Réveille ton voisin, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme. Nous allons lire Ésaïe 61, le verset 1. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Ésaïe 61 verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Aujourd'hui, nous voulons parler de la guérison des blessures intérieures. Vous voyez, Jéhovah Rapha guérit les cœurs brisés. Oui, vous savez, l'homme a une triple dimension. Il y a d'abord le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Souvent, on peut être malade au niveau du corps, mais il y a au niveau de l'homme intérieur, au niveau de notre cœur, de notre âme, nous avons souvent des plaies, nous avons des maladies qu'on appelle des maladies intérieures, des blessures intérieures que seul Jéhovah Rapha peut guérir, que seul Jésus-Christ peut guérir. Vous voyez, dans cette prophétie que Ésaïe donne, qui s'est accomplie à la personne de Jésus, il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint. Cette onction, c'est pour faire quoi? D'abord, apporter la bonne nouvelle aux pauvres, mais guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les blessures intérieures sont les blessures que nous avons à cause des situations, des difficultés de la vie. Les blessures intérieures commencent d'abord à l'enfance. Depuis l'enfance, il y a des enfants qui sont blessés. Par exemple, les enfants dont les parents ne reconnaissent pas la paternité. Souvent, c'est le cas de papa. Peut-être que toi qui m'entends, tu es parmi ces personnes-là dont le papa n'a pas reconnu la paternité. Et souvent, la maman et le papa, ils discutent. Le papa ne reconnaît pas. Tu grandis avec ta maman. Ou pour d'autres personnes, ce n'est même pas ta mère biologique qui t'a élevé. C'est une tante ou c'est la grand-mère et tu n'as pas vécu l'amour paternel, tu n'as pas vécu l'amour maternel. Et ces blessures affectent déjà notre moi, notre caractère. Depuis l'enfance, c'est comme si tu étais rejeté et ça fait partie des éléments qui provoquent des blessures intérieures. Je peux aussi parler des injustices au niveau de la famille. Vous voyez, il y a des familles qui privilégient certains enfants au détriment d'autres. Vous voyez par exemple ce qui s'est passé entre Ésaü et Jacob. Jacob a usurpé par mensonge, par ruse, les droits d'aînesse de son frère qui était Ésaü. Et vous savez, quand Ésaü a découvert cela, il était rempli d'amertume. Il voulait même se venger. Il a dit, je vais tuer mon frère. En réalité, il avait des blessures intérieures. Il s'est senti mal aimé. Il s'est senti trahi. Peut-être que toi qui m'entends, c'est ton cas. Tu t'es senti mal aimé. Tu penses que ton père, ta mère aime plus ta petite soeur que toi. Il aime plus ton frère, ton petit frère que toi. Pour lui, quand c'est son anniversaire, on fait une grande fête avec pompe. Pour lui, on l'a envoyé peut-être dans
dans une grande école en dépensant beaucoup d'argent, mais pour toi tu es négligé. Ça crée des blessures intérieures. Tu te vois rejeté, tu te vois mal aimé. Il y a même des jeunes qui s'adonnent à la drogue tout simplement parce qu'ils sont mal aimés. Peut-être que c'est toi, c'est ton cas, toi qui me parles, toi qui m'entends maintenant. Tu te sens mal aimé et tu as fui la maison. Jeune homme, tu souffres des blessures intérieures, tu souffres des rejets. Laisse-moi te dire que Jéhovah Rapha est capable de te guérir, de guérir tes blessures. Approche-toi de Jésus, il est capable de te guérir. Les blessures intérieures aussi viennent des déceptions que nous connaissons. Déceptions amoureuses. Tu as vécu avec quelqu'un, avec un jeune, avec quelqu'un qui était ton ami intime, ou bien vous avez entamé les fiançailles. Et il se fait qu'un jour vous êtes sorti avec, la personne t'a connu. C'est elle la première personne qui a découvert ta vie, il a découvert ta virginité. C'est lui qui t'a connu sur le plan sexuel. Je parle à une jeune fille. Tu te disais que l'homme qui va me connaître, c'est celui-là qui va me marier. Mais il se fait que le garçon-là qui t'a connu t'a abandonné. Et tu te sens déchiré. Tu as même échoué dans tes études à cause de cela. Et tu as gardé cela. Tu as un problème intérieur. Tu te sens mal aimé. Tu as pris même la résolution de ne pas te marier. C'est parce que tu souffres des blessures intérieures. Jéhovah Rapha est capable de te guérir. Tu as besoin de voir un homme de Dieu. Tu as besoin de voir un confident pour lui partager ta situation, pour qu'on prie pour toi, pour que tu guérisses, parce que tu as grandi avec ces blessures-là. Tu t'es senti trahi, tu t'es senti rejeté. Jéhovah Rapha guérit les blessures. Il dit, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des blessures aussi qui viennent dans les milieux sociaux professionnels. Tu subis des injustices. C'est toi qui as l'ancienneté, tu as plus de 15 ans, mais on est en train de promouvoir des gens qui sont venus après toi, des gens que tu as même formés comme stagiaires, t'ont dépassé et tu souffres. Tu te dis, mais pourquoi? Je ne mérite pas cela. À un moment donné, tu as commencé à souffrir même des maladies physiques. Tu te sens mal à l'aise quand tu vas au travail, tu as voulu démissionner. C'est parce que sur le plan intérieur, tu souffres d'une blessure, tu souffres de l'injustice. Tu as besoin de Jéhovah Rapha. Il va te guérir, il va te guérir. Vous savez, il y a même des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire ça commence au niveau du psychisme, ça commence sur le plan intérieur et ça se répercute au niveau de ta santé physique. Je vais parler à un monsieur. Depuis un certain temps, tu vois, tu as des problèmes de tension, des tensions artérielles. C'est dû au fait que ton patron, il te surcharge. Ton patron, il te ridiculise. Ton patron ne veut pas de toi. Il veut comploter pour te faire partir. Et depuis qu'on t'a dit cela, tu te sens vraiment mal aimé. Tu te sens rejeté. Et ta tension a commencé à monter. Tes avantages, oui, que tu mérites au service, ne suivent pas. Il y a d'autres personnes qu'on envoie en mission. Mais toi, tu es toujours au même niveau. Ton profil de carrière est bloqué. Et tu as des blessures intérieures. Tu n'arrives pas à dormir. Tu as fait des insomnies. Pendant plus de 3 jours, tu n'arrivais pas à dormir. Tu as besoin de Jéhovah Rapha. Il est capable de guérir. Oui, et tu vas voir que tu vas dormir tranquillement. Je vais dire à quelqu'un, si tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Jéhovah Rapha va te guérir. Jésus va te guérir. Va voir un homme de Dieu. Va lui dire les problèmes que tu connais. Oui, tu es dépassé. Tu es déprimé. Oh, à un moment donné, tu voulais même te tuer. Non, arrête. Tu n'as pas besoin de te tuer. Tu n'as pas besoin de te suicider. Parce qu'il y a un Dieu qui t'aime. Jéhovah Rapha, il va guérir ta blessure. Si les hommes t'ont déçu, lui ne peut pas te décevoir. Si ton patron t'a déçu, Jésus ne peut pas te décevoir. Il va guérir ton cœur brisé. Tu es rempli d'amertume. Tu es rempli de haine. Tu dis, je vais me venger. Non, la Bible dit, à moi la vengeance. Jéhovah Rapha va te guérir. Il dit, il m'a oint afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque nous lisons le psaume de David, psaume 55, versets 12 à 15, nous voyons que David a été aussi blessé. Il a connu des blessures intérieures. Il a été déçu. Il dit ceci. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Allons, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Vous voyez, David était blessé, il a été trahi.
nous connaissons comment ses plus proches, même son fils Absalom, oui, il a fomenté un coup de force, il a voulu les renverser, mais cela a échoué. Son plus proche conseiller, même Achitophel, il était dans le coup. Il y a des moments où c'est ton proche, c'est ton ami, c'est lui qui est ton intime, c'est celui qui est à la tête des comploteurs. Les gens qui t'en veulent, les gens qui te trahissent. Et ça fait mal quand tu découvres que c'est un intime qui te combat. C'est un intime qui fomente les complots contre ta vie. Tu te sens blessé. Tu as besoin de Jéhovah Rapha. Il est capable de te guérir. Il guérit les cœurs brisés. Nous allons le louer. Nous allons le célébrer. Nous allons l'adorer en chantant ces cantiques. Tu vas faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Tu vas faire encore. Alléluia. Il guérit le malade, ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Louons le roi des rois. Il est le Dieu des miracles. El Shaddai est son nom. Tu vas nous guérir. Oh, Tu vas nous toucher. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Tu vas faire encore. Dieu va nous bénir. Dieu va nous combler. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. 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 Je chante Alléluia, 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 eh, eh, eh. Je chante Alléluia, 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 eh, eh. Hosanna, eh. Hosanna, eh, eh. Hosanna, eh. Hosanna, eh. Je chante Hosanna, 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 eh, eh, eh.
chante Hosanna, 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 eh, eh, eh. Gloire à Dieu, gloire à Jéhovah Rapha, celui qui guérit nos cœurs brisés. Il mérite la gloire, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Élevons nos voix pour le louer. La force dans la prière. L'opération sur la brèche. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur de tous les jours, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Merci pour votre fidélité à OSB. Si vous avez un témoignage, veuillez nous le faire parvenir. Envoyez-nous un texto sur WhatsApp ou bien un voice qui montre ce que Dieu fait. Pour ceux qui suivent OSB par YouTube, oui, chaque 5 heures, pendant que OSB passe, faites un commentaire, écrivez un témoignage qui dit comment le Seigneur vous a restauré, comment le Seigneur vous a visité à travers OSB. Ne manquez pas de dire le pays à partir duquel vous nous appelez ou bien vous nous écrivez. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre étude sur le nom hébraïque de Dieu, Jéhovah Rapha. Et aujourd'hui, nous voyons que Jéhovah Rapha guérit nos blessures intérieures, selon Ésaïe 61, verset 1. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui souffrent des blessures, qui ont été victimes des rejets depuis leur enfance. Ils étaient victimes des rejets de leurs parents. Ils n'ont pas connu l'amour de leurs parents. Si c'est toi-même qui es concerné, tu vas prier pour dire, Seigneur, guéris mes blessures. Tu vas dire au Seigneur, tout ce que tu as connu, oui, pendant l'enfance, les rejets dont tu étais victime, et tu vas dire, Seigneur, guéris-moi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. Béni sois-tu le ressuscité, le Dieu qui guérit encore ce matin. Je veux exalter ton nom, parce que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu les renouvelles ce matin dans notre vie. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu es capable de guérir. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, je veux invoquer ton nom sur la vie de cet homme, dans la vie de cette sœur. Je veux implorer ta grâce. Seigneur, aujourd'hui, tes enfants sont dans le désarroi, dans les inquiétudes, dans les questionnements, parce que ils n'ont pas connu l'affection de leurs parents, l'amour d'un des parents, et ils souffrent dans leur fort intérieur. Il y a des blessures intérieures. Beaucoup marchent, vivent dans la culpabilité. Beaucoup sont frustrés dans leur propre vie. Beaucoup ont développé des caractères à cause de ce que ils n'ont point connu l'amour d'un parent. Aujourd'hui, tes enfants souffrent. Tu es le Dieu qui guérit encore les blessures intérieures. Dis un mot afin
afin que ce frère, cette sœur soit soulagée, soit libérée. Merci parce que tu les aimes. Merci parce que tu es capable de restaurer leur cœur brisé. Merci parce que, encore une fois de plus, tu veux opérer ce grand miracle de délivrance, de guérison dans le cœur intérieur de quelqu'un. Béni sois-tu pour ta main qui agit dans la vie de quelqu'un. Et merci de repositionner quelqu'un dans sa santé divine au nom de Jésus. Nous avons prié et nous avons rendu grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Jéhovah Rapha guérisse tous ceux qui ont des blessures dues au problème de déception sentimentale. Oui, tu as été déçu par un fiancé, tu as été déçu par une amie, tu as été déçu par un mari et peut-être que tu as connu des divorces et tu te retrouves seul avec les enfants. Tu n'as pas souhaité cela, mais cela s'impose à toi et tu vis avec des blessures au nom de Jésus. Nous allons prier pour toutes ces personnes afin que Jéhovah Rapha les guérisse de leurs blessures au nom de Jésus-Christ. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Louange à toi ce matin, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus. Gloire te soit rendue à jamais. Acclamation à toi. Parce que ton amour va au-delà de ce que nous espérons. Tu nous aimes. C'est pourquoi tu nous dis dans ta parole, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Et toi-même, tu vas prendre soin de nous. Venez à moi, vous dites qui êtes fatigué, chargé, et je vous donnerai le repos. Oui, c'est ta parole. C'est une épée à double tranchant. Elle ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ta volonté. À travers ta parole, tu nous restaures. À travers le pouvoir de ton esprit, tu nous restaures. À travers le sang de Jésus, tu nous restaures. Nous croyons, notre Dieu, que tu es fidèle. Merci. Et nous pouvons toujours venir à toi. Et nous y a toujours la place pour chacun de nous. Beaucoup de tes enfants ont été déçus. Ô Seigneur, d'autres ont soutenu des femmes, soutenu des hommes. Même à la fin, ils ont été rejetés, ils ont été abandonnés, ils ont été trompés, Seigneur. D'autres ont été licenciés abusivement. Beaucoup regrettent actuellement, beaucoup sont sous le fardeau du regret au nom de Jésus. Beaucoup pleurent, ils sont dans la solitude, ils ne veulent même pas aller à l'église. Les soi-disant serviteurs de Dieu ont dépouillé, ont volé, ont trompé des fidèles. Et beaucoup en pâtissent aujourd'hui. Restaure les corps, restaure l'âme, restaure l'esprit. Ramène tes enfants à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour ceux qui souffrent de maladies psychosomatiques. Ça veut dire, ça commence au niveau de l'intérieur. Tu as connu une déception, tu as connu un problème, tu as connu un rejet et tu n'arrives pas à dormir. Et depuis, ça a dégénéré dans ta santé. Tu as maintenant des problèmes d'asthme, tu respires difficilement. Ta tension monte et il y a le diabète qui se manifeste. C'est une maladie psychosomatique. Oui, tu as besoin d'abord de guérison intérieure. Et si tu n'as pas pardonné, que le Seigneur t'aide d'abord à pardonner. Tu peux prier pour dire, Seigneur, aide-moi à pardonner. Voici, il y a tel qui m'a fait du mal. Oh, touche-moi. Et le Seigneur va te toucher maintenant même. Il va te guérir. Pendant que tu vas pardonner, la puissance de Dieu, la puissance de Jéhovah Rapha va te visiter dans le puissant nom de Jésus-Christ. Il va guérir tes blessures intérieures et il va guérir aussi ton corps. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche.
puissance dans la prière. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Tu es digne. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. C'est toi qui opères des miracles. C'est toi qui guéris les cœurs brisés. Tu soulages les opprimés. Tu donnes, Seigneur notre Dieu, la vie à tous ceux qui sont désespérés. Tu apportes la guérison à ceux qui sont déportés. Des gens qui ont été dépossédés de leurs biens, des gens qui sont exilés injustement, des gens qui sont en prison injustement, des gens qui subissent des situations injustes. Oh Dieu, encore aujourd'hui, tu les restaures, tu les libères, tu les renouvelles, tu les repositionnes, tu les requinques, tu libères les prisonniers. Tous ceux qui sont sur les chaînes, tu brises les chaînes. Tu es Dieu, tu fais des choses extraordinaires à cause de ton amour sans fin pour l'homme. Ô Jésus-Christ de Nazareth, ce matin encore, je veux t'invoquer. Je veux invoquer la puissance de ton nom dans la vie de toutes ces personnes qui ont des maladies psychosomatiques, des maladies intérieures cachées qui les empêchent de se valoir, de se manifester, de se produire, de manifester ta grâce, de manifester tes dons, de manifester la générosité et d'être dans leur destinée prophétique. Beaucoup sont retenus captifs à cause des actions négatives qu'elles ont subies. Et cela les travaille, les traumatise. Mais gloire te soit rendue de ce qu'encore aujourd'hui, tu libères quelqu'un, tu détruis les condamnations sur la vie de tes enfants, tu manifestes ta gloire, tu guéris. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous restaure au nom de Jésus-Christ. Pour quelqu'un qui prend la décision de pardonner, tu vas appeler la personne qui t'a fait du mal. Tu vas lui dire que tu lui as pardonné au nom de Jésus. Si ça nécessite une rencontre, fais-le au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, tu as fait des insomnies pendant longtemps, pendant plus de 2 semaines. Aujourd'hui, je déclare maintenant que le Seigneur te guérit de ces insomnies et que cet esprit qui t'avait volé ton sommeil et chassé maintenant au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus, sois délivré de la peur. Tu vis dans la peur, dans l'incertitude. Jéhovah Rapha te guérit maintenant au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, Opération sur la Brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit: réveille-toi, si la fait pour Sarah Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Merci, OSB. Je m'appelle Thomas Assé Ferdinand, Bethlehem Komasi. Le 27 de mois passé, j'ai pris avec OSB. Et grâce à OSB, il y a eu le bâtiment Sosefia, bloc jaune. Mon enfant quittait en promenade à 1h du matin. Et il vient, il tape ma porte. Bouk, bouk, bouk. J'ai dit, c'est quoi? Je voulais lui porter la main. Il dit, papa, calme-toi, les maisons ont pris feu. Les maisons sont en train de brûler. À ma sortie, il y a 2 maisons qui sont déjà parties en feu. 3e maison, 4e maison, 5e maison pour arriver chez moi. J'ai dit, Seigneur, ça suffit. J'ai dit, Seigneur, ça suffit. Tu m'as dit,
Esaïe, je peux passer dans le feu et le feu ne peut pas me brûler. Aujourd'hui, je suis dans le pégrin, tu m'as dit de te crier et tu glorifies le nom de ton Père et ton Père sera glorifié. Et le feu s'est calmé complètement. Il y a eu 4 cargos de sapeurs-pompiers qui ont sué. Arrivé ce mois, le feu est calmé complètement. C'est pourquoi je vais être reconnaissant à OSB. Merci Seigneur. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.